À suivre maintenant le deuxième des qualifs, Hisashi Mizutori. Il y a deux Japonais aux deux premières places à l'issue des qualifs. Tomita et Mizutori. Mizutori donc qui était loin, loin de son compatriote. Apparemment, il est un peu moins fort tout de même que Tomita Mizutori. Mais on l'a vu, on n'est pas à l'abri de surprises. Il faisait partie de l'équipe du Japon, sacré championne olympique à Athènes. Allez, première diagonale. Oh, grande originalité là. Double vrille, salto avant demi-tour, suivi d'une double vrille arrière. Une vrille et demie, une vrille, puis une vrille et demie. Là on voit, c'est plus net, c'est plus propre. Les triples russes. Vous avez pu voir les gymnastes, tous les gymnastes effectuent cet exercice. C'est un élément imposé par le code de pointage. Ici, la position à la croix de fer renversée. Allez, c'est pas mal pour le japonais pour l'instant. Hein. Bon, c'est même quasiment parfait. Tempo diabolique. C'est une vrille et demie le corps groupé. Et on a vu qu'il n'a pas reposé les pieds avant de faire la roulade. Donc c'est une prise de risque extrême. Et là, rondade flip, double vrille et demi, salto avant et c'est pile chute. Ah oui, c'est superbe, superbe, c'est le meilleur pour l'instant au sol, le japonais. Il marque les esprits d'entrée. Et lui, l'outsider, se positionne. Dès le début de cette finale. Et vous le voyez, hein, son partenaire et compatriote va s'élancer dans quelques instants. Il n'y a eu aucun échange entre les deux. Non, non, je crois qu'ils doivent rester concentrés. Allez, on voit là la dernière diagonale. Double vrille et demi, suivi d'un salto avant. Ah, et on voit jusqu'au bout des doigts de pied qu'il a cherché à maîtriser sa réception. Les triples russes, les poses de main et les pointes de pied parfaitement tendues. À ce niveau-là, les gymnastes, du moins les gymnastes japonais, cherchent à être parfaits. Et ici, une fois de plus, la dernière diagonale. Le salto avant et on voit là la maîtrise parfaite de cet élément. Mouvement de très grande complexité avec beaucoup de vrilles. Très technique et là on voit la hauteur du gymnaste. Et la note excellente, 9,437. Il prend la tête de ce concours général.